Am I starting to talk to myself? Fragile est un jeu d'aventure-action incorporant des éléments propres au RPG. Sorti en janvier 2009 au Japon, il a été développé par le studio Tri-Crescendo, qui a participé au développement des Baten Kaito sur GameCube et produit pour Namco Bandai, Eternal Sonata sur PS3 et Xbox 360. Sous-titré au Japon « Sayonara Tsuki no Haikyo », ce qui signifie littéralement « Au revoir la ruine lunaire », il propose une expérience bancale basée sur une immersion visuellement impressionnante dans un monde post-apocalyptique étrange où l'être humain n'a plus sa place. Jeu d'ambiance avant tout, il se distingue d'emblée par une réalisation graphique faisant honneur à la Wii, ainsi que son atmosphère dépressive portée par de nombreux dialogues et une poésie de tous les instants. That one encounter changed my lonely world in ways I never could have imagined. At the very end of a summer that was all too short, the old man I was living with passed away. Le jeu commence par un décès, celui de votre grand-père. Vous êtes Seto, un jeune garçon de 15 ans, élevé depuis son plus jeune âge dans un observatoire isolé. Avec la disparition de son grand-père, un personnage autour duquel plane un épais mystère, il se retrouve seul au monde. L'univers de Fragile est désolé. Situé dans un futur proche où les êtres humains ont semble-t-il disparu, laissant à l'abandon les ruines d'un monde autrefois bien vivant, il regorge désormais d'apparitions étranges, souvent agressives. Seto quitte pour la première fois son lieu de naissance pour partir à la recherche d'autres survivants. Il croisera sur sa route une jeune fille aux cheveux argentés, Ren, qui disparaît aussitôt. Bouleversé par cette rencontre, il décide de la retrouver au péril de sa vie. Il croisera sur sa route une poignée de personnages tous aussi mystérieux les uns que les autres. Un point commun les unit néanmoins, ils sont seuls, désespérément seuls. Que ce soit AP, une espèce d'intelligence artificielle portative incroyablement humaine, Crow, un jeune garçon perdu dans un parc d'attractions, se prenant pour un personnage de roman, ou Sai, le fantôme d'une jeune fille décédée dans un motel abandonné. Tous ces personnages sont rongés par la solitude. Une solitude que les développeurs ont su encore renforcer par la présence de souvenirs, des objets de la vie courante qui renferment les dernières pensées de leurs propriétaires. Des fragments de vie, des regrets, des émotions comme la colère et le désespoir que Seto parvient à ressentir lorsqu'il se repose près d'un feu de camp. Ces souvenirs sont narrés par leurs propriétaires. Les dialogues, ou plutôt les monologues, sont d'ailleurs omniprésents dans le jeu. Qu'ils soient en anglais ou en japonais, vous avez le choix, la qualité de leur interprétation contribue pour beaucoup à l'ambiance fin du monde désespérée de Fragile. Le gameplay de Fragile est incontestablement sa plus grande faiblesse, ce qui est forcément problématique. Pourtant, les idées ne manquent pas. Jouable à l'aide du Nunchuk et de la Wiimote, il use intelligemment des caractéristiques de ces derniers. Comprenez par là que le gameplay ne se perd pas en secousses et autres moulinets de poignets encore trop souvent exigés des malheureux joueurs Wii. Non, les développeurs font usage de la Wiimote pour permettre aux joueurs d'éclairer l'environnement à l'aide de sa lampe torche. Il peut aussi à tout moment entrer dans le mode recherche en zoomant sur des éléments du décor afin de révéler ou non leur interactivité. Fragile joue également beaucoup sur le son et fait donc grand usage du haut-parleur de la Wiimote, dont il faut d'ailleurs penser à régler le volume. Il permet en effet d'écouter les conseils de ses compagnons d'infortune, d'anticiper l'apparition des ennemis, de trouver plus facilement les chats sauvages dissimulés un peu partout, voire une petite fille fantôme souhaitant jouer à cache-cache. Le stick analogique de Nunchuk, enfin, permet de se déplacer rapidement ou au contraire lentement, afin, par exemple, de traverser des zones où le sol est instable. Au cours de l'aventure, le joueur sera amené à trouver de nombreux objets, qu'il devra stocker dans son inventaire aux emplacements limités. En fonction de leur taille, ces objets prennent en effet plus ou moins de place. Lâchés par les ennemis vaincus ou découverts dans les environnements, ces derniers devront nécessairement être identifiés auprès d'un feu de camp avant d'être utilisés. Les feux de camp sont disséminés un peu partout et permettent de réaliser un certain nombre de choses. Recouvrer son énergie, accéder à l'étrange marchand à tête de poulet qui apparaît aléatoirement, déplacer des objets de son inventaire à sa mallette, inaccessible en cours de partie, accéder aux souvenirs liés à certains objets et sauvegarder. La gestion de l'inventaire est d'ailleurs plus que rigide, surtout au début du jeu, lorsque le sac est encore tout petit et ne permet de stocker que très peu d'objets, obligeant ainsi le joueur à d'incessants allers-retours vers les feux de camp les plus proches.
L'habillage RPG du jeu se manifeste essentiellement à travers le gain d'expérience lié au combat. Ces points d'expérience, en revanche, ne peuvent être affectés à de quelconques compétences. Ils servent simplement à augmenter les points de vie du personnage. Fragile tient donc clairement plus du jeu d'aventure que du RPG. D'autant que son système de combat est des plus basiques. Plusieurs types d'armes sont accessibles en cours de partie et celles-ci peuvent se briser. Pour les utiliser, il faut appuyer sur le bouton A en suivant un certain rythme afin de déclencher un malheureux combo limité à 3 coups. Certaines armes nécessiteront de maintenir le bouton A appuyé, mais globalement, on se contente de le matraquer en tenant compte du pattern d'attaque propre à chaque ennemi. Si la gestion de l'inventaire et le système de combat étaient les seuls problèmes liés au gameplay du jeu, on pourrait encore lui pardonner. Malheureusement, Fragile propose des séquences de jeu rédhibitoires, à même de faire renoncer le plus impliqué des joueurs, comme cette interminable, illogique et atterrante course-poursuite avec le personnage de Crow dans le parc d'attractions. I promise. La mélancolie et la poésie qui se dégagent du jeu, de ses musiques, de ses personnages, de ses dialogues magnifiquement interprétés, de ses sublimes cinématiques, de ses magnifiques décors, contribuent à faire de Fragile une expérience à part, aussi dépressive et parfois aussi stressante qu'un Silent Hill. Clairement, le jeu de Tri-Crescendo ne se destine pas aux enfants. Ne vous laissez pas avoir par son caractère design tout mignon et son PEGI 7+. Les sentiments de perte et d'abandon sont au cœur du jeu. Il n'est pas rare d'être ému, touché, troublé, séduit même, stressé parfois, voire déprimé par l'atmosphère de Fragile. Mais là où la déprime gagne vraiment le joueur, c'est lorsqu'il prend conscience que l'univers du jeu a fait l'objet de toutes les attentions des développeurs au détriment, indubitablement, de son gameplay. Un gameplay au mieux limité, au pire totalement à côté de la plaque. Certaines séquences tuent l'expérience immersive proposée par le jeu et ça, c'est impardonnable. Vous voilà prévenu. Ah!